les filles. Alors, je vous propose de faire ensemble un format d'échange ou à collectionner. Hein. C'est un ticket bonheur. Alors là, vous avez plusieurs sortes qui m'ont été envoyées. C'est un format qui fait 8,8 sur 3,3. Et oui, vive les dimensions. Il a dû être créé par Sylvie Coltoupartout. Voilà. Donc, on fait ça sur un carton épais. Et on décore au-dessus. Il faut qu'il y ait les deux petits côtés crantés. Un trou comme un ticket de cinéma, là. Et une oblitération. Voilà. Donc, un trou, une oblitération, les côtés crantés, assez épais de la cartonnette. Et le mot « bonheur » doit apparaître. Voilà, ce sera, c'est déjà pas mal. Donc, on va en faire un ensemble, d'accord? Donc, j'ai un petit peu avancé la chose. J'ai pris une cartonnette, d'accord? Voilà, derrière, il faudra mettre aussi quelques infos, nom, prénom, date. Voilà, en général, c'est ce que l'on met. Ensuite, vous faites un trou, mais bon, vous pouvez le faire après que c'est décoré, sinon on doit le refaire. Vous prenez un ciseau cranteur et vous coupez sur les petits côtés, voilà. On va le refaire. Voilà. Hop, bah, ça c'est tout. Et voilà, et là on peut décorer. Je vais faire ça sur le thème de la musique. Du coup, j'ai ce joli papier, on va le mettre ici. Je vais peut-être ancrer un peu les bords parce que blanc comme ça avec un papier, voilà, ça ne me va pas. Voilà, donc on va ancrer ceci, puis comme ça on va pouvoir faire un petit matage. Voilà, c'est un peu moins blanc. J'ai utilisé celle-ci. Hop, et on va coller ça. On va calculer comme d'habitude à ma manière. Voilà. Ici. Donc, je découpe et là, nous aurons ceci. Ici, voilà. Je vais recouper ici pour que ce soit bien droit. Voilà, on réessaye. Eh bien oui. Voilà. Et du coup, je vais. Oups. J'avais préparé mon petit mot bonheur. Il s'est sauvé dans tout. On regardera après. Donc on va coller ça déjà. Ceci. Allez, et je vais penser tout de suite à refaire le petit trou. Voilà, c'est fait. On va décorer, voir où on met l'oblitération, où on met le petit mot bonheur que j'ai perdu sur mon bureau. Hein. Là devant, il était prêt. Il est là, voilà. Bon, il a un peu plié du coup maintenant. Ah, c'est arraché. Bon, on va s'en retrouver un autre. Bon, je vais faire la bonne taille. C'est pas grave. On va retrouver ça. Où sont-ils? Je vais le redécouper à la bonne taille. Je le perds plus et je l'arrache plus. Voilà, il est très blanc. Donc, ça ne va pas. Sans l'arracher. Voilà, c'est un peu moins flashy. Par contre, je n'ai pas découpé droit. Je vais m'appliquer. Voilà. Ceci, le petit mot bonheur. On va mettre les oblitérations.
si vous n'avez pas, c'est facile de les faire à la main. C'est un genre de petite vague. Donc, je vais les faire ici et mettre le mot bonheur là. Là, comme ça, ça fait pas mal. Hein, voilà. Donc, j'ai tout mis. Hein. Maintenant, on peut décorer. Par contre, c'est musique. Si je décore beaucoup au-dessus, le format est très petit. Hein. Voilà. Très rigolo, mais très petit. Donc, musique, qu'est-ce qu'on peut mettre? Pardon. Je bois mon café avec vous en plus. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Musique, musique. J'ai des tamponnages encore, mais ça aurait été bien en relief. Et je peux faire une petite clé de sol, quelque chose comme ça, en relief. Je vais prendre les dailles. Je cherche boîte 1. Oui, boîte 1. J'ai des clés de sol, je crois. On va sortir ceci. Enfin, pour la petite clé, je suis obligée de tout sortir là. Hein. Voilà, bon, je suis avec vous. Hein. Je n'ai pas préparé jusqu'au bout. Voilà, on va se mettre un peu en relief. Voilà, et je cherche les petites notes. Ce serait bien si de le faire en noir, je trouve. Alors ça, mais ça, ça va. Non, ça va tout recouvrir. Celui-ci, peut-être. Je vais faire celui-ci et... Sinon, voilà, j'avais celle-ci ou j'avais ces notes-là. Alors, je vais mettre, et si j'en ferai plusieurs, si tout est beau, celui-ci, on va le mettre là. Celui-là, non, je ne prends ça. Voilà, comme ceci, et il me faut une feuille. Une feuille épaisse. Là. Ce médaille ne coupe pas bien. On va essayer. Et voilà, c'est parti. Oula. C'est joli, hein, le bruit. C'est pas grave. J'ai fini. J'ai fini. Voilà, je vais regarder si ça a découpé. Espérons. Oui. On a déjà. Voilà, ça a fonctionné. Voilà. Je recule ça. Alors, on y va. Je les range. Un petit pic pour enlever la clé de sol. Ça, c'est un petit ustensile. Franchement, c'est super pratique. Il me sert quand même à pas mal de choses plutôt que d'essayer avec mes ciseaux. Mais voilà, ça, c'est... J'aime bien. Voilà. Donc là, j'ai la clé de sol. Très, très fine. Alors, si ça n'a pas bien découpé... Si je retire, je vais tout casser. Comme ceci. Voilà, c'est déjà ça. Donc, j'ai celui-ci. J'ai cette note-là aussi. Voilà. Ah, elle découpe vraiment pas bien. C'est très très fin. Donc, vous verrez pas, mais je mets près de mes yeux. Hop, voilà. Une petite note comme ça. Oh, écoutez, je préfère ça. Ça, c'est trop grand pour le... Voilà, oui. Je vais faire ça. C'est très très simple, hein, mais bon. Comme ceci. Et j'avais la grande barre là, la grande portée.
celle-ci là. C'est joli aussi, hein. Oh là là, non, c'est trop. On va rester sur ça. Donc voilà, le c'est assez simple. Il y a peu de place, donc si on aime le charger, ça va, on arrivera à trouver. Hein. Mais sinon, regardez, on va reprendre ce petit là, tout petit, voilà. Celle-là aussi, la toute petite. On va la mettre là sur du blanc. Parfait. Bon, on va essayer de récupérer cela aussi. Non, ça n'a pas découpé. Celle-là. Ouh, sympa. Ici. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc voilà, c'est pas compliqué, on peut faire plus, hein, faire des fonds soi-même, etc. et tout. Mais là, vous avez le principe, hein, et avec toutes les indications qu'il vous faut pour réaliser ce ticket bonheur. Eh bien, merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.